Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tout sur les FF14, ici Tianu. Alors, aujourd'hui exceptionnellement, hein, je ne suis pas avec Saaka parce qu'il n'est pas dispo. Donc, je vais faire cette vidéo tout seul et ça tombe bien parce que j'avais pas forcément besoin de lui. Cette vidéo aujourd'hui est à propos de ce qu'on appelle communément le Kikimeter ou le DPS Meter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un add-on ou un programme qui permet de mesurer le DPS des gens de sorte à savoir bah déjà qui fait mieux que l'autre et puis surtout savoir s'il y en a qui peuvent s'améliorer ou s'il y a tel type de DPS qui est plus intéressant que d'autres en fonction des combats. Pour ceux qui connaissent, donc par exemple tous les anciens joueurs de WoW ou d'autres MMO qui bénéficiaient de ce genre de programme, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas de système d'add-on dans FF14. Donc c'est un logiciel tiers, c'est un logiciel qui tourne en plus du jeu. Alors, à ce sujet, il faut savoir que Square Enix indique depuis le début que ce genre de programme n'est pas légal, c'est-à-dire que ça casse entre guillemets les conditions d'utilisation, mais ils ont dit à plusieurs reprises, et Yoshippi l'a dit lui-même, que ils savent très bien que c'est pas parce que ils disent que c'est interdit que les gens s'en serviront pas. Et de toute façon, ils bossent sur un système d'addon qui arrivera un jour. Donc, en attendant, ce qui se passe, c'est que c'est toléré du moment où vous faites pas chier le monde avec. C'est-à-dire, vous en servez pour vous, très bien. Tout va bien, y a pas de problème. Si vous commencez à faire chier les gens dans le chat, genre vous tombez dans un groupe de pick-up, je sais pas moi, pour aller faire un raid, vous commencez à faire chier, oui machin, t'as pas de DPS, machin, blablabla. S'ils vous reportent, vous êtes dans la merde. Comme ça, vous êtes prévenu. Cela dit, on va donc profiter de cette vidéo pour vous montrer comment ça s'installe, comment ça se configure. Et deux, trois petits trucs en plus qui permettent de rendre les choses plus jolies et plus agréables à utiliser. Pour FF14, il faut savoir qu'il y a deux programmes qui servent de DPS Meter à l'heure actuelle. Il y a Advanced Combat Tracker, qui est un DPS Meter multi-MMO. Et il y a FF14 App qui lui est spécialisé sur FF14. Moi j'utilise Advanced Combat Tracker parce que il est moins gourmand que FF14 App. Donc c'est celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui et on va tout de suite commencer par le télécharger. Là, hop là, donc pour le télécharger, moi je vous conseille de télécharger la version setup, c'est la version complète avec tout le truc qui s'installe tout seul, c'est ce qui est le plus simple. Si vous êtes un peu aventureux, il y a la version en zip, donc il n'y a pas d'installateur, mais faut savoir que vous devrez tout mettre à la main, enfin c'est assez relou. Donc prenez la version setup, vous la téléchargez. Alors moi, ça tombe bien, je l'ai téléchargée ce matin, et donc on va la lancer tout de suite. Toc. C'est fait, donc installation normale, hein. Il n'y a pas de truc particulier. Voilà, installe, hop là, ça installe tout ce qu'il faut. Terminé. Ça, on peut le fermer. Donc voilà, là c'est installé. Faut savoir que depuis assez peu de temps, et ça a causé problème à beaucoup de gens, il
ils ont séparé le logiciel en deux versions. Il y a une version 32 bits, une version 64 bits. Donc, moi, comme je tourne en 64 bits, on va se servir de cette version. Alors, disque C, programme files, advanced combat tracker. Voilà, donc c'est ici. Donc, si vous êtes en 32 bits, vous vous servez de ce raccourci-là, le ACTX86. Si vous êtes en 64 bits, vous vous servez du advanced combat tracker. Il est conseillé de le lancer en administrateur parce que des fois ça arrive que par exemple quand il faut mettre à jour un plugin ou quoi qu'il y ait des soucis de conflit. Donc le lancer en administrateur ça résout pas mal de problèmes. Donc quand vous le lancez la première fois vous allez tomber sur cette petite fenêtre là qui sert de base à configurer le logiciel pour EverQuest 2. Maintenant, nous, on joue pas EverQuest 2, on joue FF14. Donc, le plus gros de la config, on va le zapper, on va juste passer à parsing plugin. On va obtenir la liste des plugins, voilà, on clique dessus. Bon, des fois, c'est un peu long, hein, le serveur est un peu à la ramasse. Moi, je tombe directement sur FF14 plugin. Si vous n'êtes pas dessus, il y a une liste déroulante. Hein, il y a plusieurs trucs. Par exemple, si jamais il y a des gens qui jouent à Star Wars The Old Republic, vous voyez, il y a aussi un plugin pour Star Wars The Old Republic. Pour ceux que ça peut intéresser, voilà. Une fois qu'on a cliqué dessus, on fait Use this plugin. Ça va le télécharger et l'installer tout seul. Faut savoir que c'est très petit, hein, donc ça s'installe très très vite. Ça se télécharge très vite, il n'y a pas de problème. Donc quand c'est installé, vous avez un message comme ça. Et vous pouvez fermer cette fenêtre. On va aller dans Plugin. Donc, on vérifie qu'il y est bien. Voilà, c'est bien la bonne version. Tout ça. On va passer au réglage. Faut savoir que de base, il y a 2-3 réglages à faire. Et c'est souvent ces réglages-là qui font que les gens disent ah, mais ça marche pas. Donc, première chose, mettez la langue du client, la langue du jeu. De base, il va vous dire que le jeu est en anglais. Moi, mon jeu est en français, donc je le mets en français. Si votre jeu est en anglais, vous le laissez en anglais. S'il est en chinois, vous le mettez en chinois, ainsi de suite. En dessous, il y a une option, alors ça c'est pas obligatoire, mais personnellement c'est très recommandé. L'option Combine Pets with Owner. Alors pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, c'est une option quand on l'active qui permet de fusionner les invocations avec le joueur. C'est-à-dire que sinon, le logiciel va vous faire deux lignes séparées, une pour le joueur, une pour l'invocation. Du coup, par exemple, imaginons, vous êtes en train de regarder, vous êtes en plein combat, et vous jouez invocateur et vous voulez savoir combien vous faites, bah vous allez voir, vous faites 200 et votre invocation, elle fait 100. Bon, voilà, ça va, c'est des chiffres ronds, je veux dire, l'addition, ça va. Mais quand vous tombez sur des 272,5 plus des 87,3, c'est un peu relou de faire addition de tête, quoi. Donc, ça permet de fusionner les deux lignes et d'en avoir qu'une seule avec le total. Donc, moi je l'active. Le reste, c'est des trucs vraiment qui servent pas à grand chose. Et le plus important, il faut cocher cette case-là, Disable Parsing from Network Data. Je vais vous expliquer à quoi elle sert. C'est une option qui a été ajoutée il y a quelques mois, qui sert à utiliser le logiciel sur un autre ordinateur. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, moi j'ai mon fixe, j'ai mon portable. Le logiciel de DPS, c'est un truc qui consomme un peu quand même. Et imaginons que mon ordi de bureau sur lequel je joue, ça soit pas une machine de guerre. Je me dis, pourquoi j'utiliserais pas mon portable pour utiliser le logiciel? Si je veux faire ça, j'installe le logiciel sur mon portable. Il me semble qu'il ne faut pas l'installer sur l'ordi où vous jouez. Et du coup, sur le portable, vous laissez
enfin sur le deuxième ordinateur, vous laissez cette option décochée et vous renseignez l'adresse IP. Donc, faut faire un tout petit peu de réseau, hein. Et vous renseignez l'adresse IP de votre bureau, enfin de votre ordinateur où vous jouez, ici. Et du coup, le programme sur le deuxième ordinateur, il va aller à travers le réseau chercher sur le premier ce qui se passe. Du coup, vous avez vos résultats sur le deuxième ordi. Voilà, c'est cool. Maintenant, moi je fais tout sur le même ordi. Donc, j'en ai un à secouer. Je le désactive. Et si vous ne le désactivez pas, ce qui risque de se passer, c'est que le logiciel, il va rien comprendre. Parce qu'il va être là. Il va dire. Oui, moi il se passe un truc sur l'ordinateur, mais on m'a dit de chercher sur le réseau. Donc je cherche sur le réseau et je trouve rien. Voilà. Y a pas mal de mes collègues dans ma compagnie qui se servaient du logiciel à un moment quand il y a eu la mise à jour qui a rajouté ça. Ils ont fait mais c'est de la merde, ça marche plus. Et il a fallu chercher quelques heures pour comprendre ce qui se passait. Donc, moi je vous donne le raccourci. Si vous avez des problèmes, regardez ici. Du coup, dans cette fenêtre, c'est à peu près tout le overlay settings. Alors, c'est un onglet qui sert à régler les barres de vie, c'est-à-dire que Advanced Combat Tracker permet de rajouter des barres de vie qui se mettent par-dessus le jeu. Alors, si vous êtes en plein écran, ça ne marchera pas. Faut être en plein écran fenêtré ou en mode fenêtre. Ce que ça donne, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, on va le mettre de côté. Vous allez voir ce qui se passe. Je vais cibler le mannequin d'entraînement. Et là, paf, en haut, vous voyez, j'ai une barre verte. Ça, c'est la barre d'Advanced Combat Tracker qui m'indique le nombre de PV exact de la cible ainsi que le pourcentage. La couleur de la barre, elle change en fonction de la phase ou en fonction du nombre de PV. Enfin, voilà. C'était assez pratique. Moi, je m'en servais pas mal sur Twintania, par exemple, pour les changements de phase. Maintenant, je vous avouerai que moi, je m'en sers plus du tout parce que ils ont rajouté les pourcentages directement sur les barres. Vous allez voir, c'est juste une option activée dans le jeu. Hop là. Et direct le pourcentage ici. Ce qui fait que ben la barre de Advanced Combat Tracker elle sert plus à grand chose. Du coup, on va la désactiver. Alors la désactiver, c'est simple. Vous avez un bouton, enfin une case ici qui s'appelle Hide Overlay. Vous la cochez, paf, ça s'enlève. On fait ça partout, voilà, c'est fait déjà. Hop là, tout est caché. Et donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 3 coups, il a compté que ça faisait 1900 et tout. Donc vous voyez, j'ai sur l'écran principal, dans le dernier combat qui est le mannequin d'entraînement, qui a duré 7 secondes, waouh. Donc j'ai le mannequin d'entraînement qui m'a rien fait, moi j'ai fait 1900. Vous pouvez voir que ça marche. Première étape de fait, on a Yonkel a le été logiciel déclassé depuis qui le marche. salon Humble Timber par le serveur. Merci Yonkel, je m'en fiche. Donc on a le logiciel qui marche. Si vous avez un PC qui est un Yonkel peu. s'est déplacé dans le Oh, salon mais tu m'énerves Yonkel. général. Si vous avez un PC qui est un petit peu faible en performance. Il y a un petit truc que vous pouvez faire dans les options. C'est les options du plugin, c'est ici. Cette option ici, Memory Scan Speed. Vous pouvez la mettre en longue délai, ce qui fait que ça consommera moins. Par contre, le logiciel se mettra à jour moins souvent. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'avoir la mise à jour des dégâts qui se fait toutes les secondes, ça sera, je sais pas moi, toutes les 5 secondes. Pardon. Du coup, si vous regardez en temps réel, ça sera peut-être pas très précis. Si vous en fichez du temps réel et si vous regardez que entre les combats, vous pouvez mettre ça comme option, ça consommera un peu moins, le jeu tournera mieux. Voilà. Donc moi je laisse en short délai.
Et donc, pour pouvoir s'en servir, par exemple, quand on est en combat, il y a ici un truc qui s'appelle la mini window. Va cliquer dessus. Hop là, voilà. Ça ouvre une petite fenêtre que vous pouvez régler comme vous voulez. Et qui reste par-dessus le jeu. Et donc, du coup, quand on va aller taper, vous allez vous rendre compte que, paf, magie, ça affiche les dégâts directement. Enfin, si ça veut bien, voilà. Donc, du coup, vous pouvez le mettre comme ça, hop là, et vous avez vos dégâts en direct. Vous pouvez voir, ça se met à jour, tac, paf. Hop là. Donc, première étape finie. On a vérifié que ça marche. Le logiciel est installé. Pour ceux qui s'en fichent de rajouter des trucs ou quoi, vous pouvez vous arrêter ici. Le logiciel marchera sans problème. Et après, c'est à vous de l'utiliser à bon escient, hein, bien sûr. Parce que je rappelle que c'est toléré, mais c'est pas forcément très très légal. Maintenant, pour ceux que ça intéresse, il y a, bon, y a les gens qui font ACT, hein, bon, ils font du très bon boulot, tout ça. Mais il y a des gens qui sont ouf et qui ont fait un plugin pour ACT, donc c'est un tout petit truc qui se rajoute, c'est vraiment pas grand-chose, et qui permet, au lieu d'avoir la petite fenêtre noire là, toute moche, dégueulasse, d'avoir un truc plus joli. Alors forcément, c'est un truc en plus qui tourne, donc ça va consommer un peu plus. Donc c'est à vous de voir, à vous d'essayer en fonction de votre machine, hein. Bien sûr, si vous avez des machines relativement moyennes, vous pouvez toujours essayer. Si vous voyez que vous perdez trop en qualité de jeu, c'est pas la peine de s'en servir. Il vaut mieux avoir un jeu qui tourne bien et pas avoir la petite fenêtre que avoir le truc et pas pouvoir jouer, bien sûr. Donc, ce plugin, c'est un plugin qui s'appelle Rainbow Mage. Rainbow Mage, c'est. Qu'est-ce que ça fait du coup? Ça transforme la petite fenêtre noire en une fenêtre transparente avec plus d'infos, des icônes pour les classes et tout ça. Excusez-moi, j'ai un peu chopé la crève. Du coup, comment on installe ce truc? Donc, on va retourner dans ACT. Dans la liste des plugins. Alors Rainbow Mage, c'est un. Donc je vous mettrai le lien soit dans la description, soit sur la vidéo. Je mettrai. Enfin, je me débrouillerai. Je sais pas trop comment je vais faire encore, mais bon. C'est un dossier à télécharger. Donc vous aurez le lien vers le zip. Vous aurez juste à le dézipper, hein, et puis ça sera direct fonctionnel. Il n'y a pas d'installation à faire. Une fois que vous avez dézippé le fichier, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Browse pour l'installer manuellement. Alors, moi, il est dans mes téléchargements, donc c'est ce dossier-là. Donc une fois qu'on est dans ce dossier-là, le fichier à ajouter c'est le overlayplugin.dll. Vous le sélectionnez, vous faites ouvrir, vérifiez que c'est bien le bon ici, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui ont un nom proche. Et vous faites Add Enable Plugin. Et là vous allez voir, paf, il y a un truc qui s'est rajouté là. Bon ça on s'en fiche, hein, c'est pas le bon. Mais bon, si vous le voyez ici avec marqué Enable, Initialize, tout ça. C'est qui s'est bien rajouté. Et a priori, on est sur la bonne voie. Donc, vu que je vais les refaire, on supprime tout. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'il me raconte en bas là?
c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une nouvelle fenêtre. On va l'appeler DPS de type mini parse, ça c'est ok. Donc, vous allez voir que vous avez un onglet ici qui se rajoute, qui porte le nom de votre fenêtre. Une fois que vous êtes dedans, donc vérifiez qu'il y a bien le show overlay qui est affiché, parce que sinon vous verrez rien du tout. Dans URL, il faut aller sélectionner, donc dans le dossier Rainbow Mage, dans ressources, le miniparse.html. Et là, magie, ça s'affiche. Alors, moi je vais juste le régler un peu, donc vous pouvez voir là, il y a un truc, petite réglette qui permet de régler la taille en fonction de votre écran, etc. Donc moi, hop, je le mets par là, je vais l'agrandir un tout petit peu. Genre. Yonkel est entré dans le salon. Voilà. Une fois que vous avez réglé la taille, l'emplacement, etc., activez cette case qui permet de, comme vous pouvez le voir, de cliquer à travers et ça va pas déplacer la fenêtre en fait. Du coup, ça va vous éviter les changements de fenêtre en catastrophe en plein milieu d'un combat, etc. Donc, on va aller vérifier tout de suite que ça fonctionne. En allant taper notre ami le mannequin. Et là, vous pouvez voir que direct, paf, ça m'affiche mon DPS, ça m'affiche plein de trucs. Si jamais vous souhaitez changer quelques options, par exemple, si le heal par seconde vous en avez rien à foutre, vous voulez l'enlever, sachez que le fichier de config, donc le miniparse.html, bah, c'est marqué dessus, c'est du HTML, donc c'est tout con à modifier, hein, c'est vraiment tout bête. Il n'y a pas de truc vraiment très technique. Maintenant, si vous ne savez pas faire de HTML, à la limite, posez-moi la question et puis je modifierai ce qu'il faut et je vous enverrai le fichier. D'ailleurs, pour n'importe quelle partie, hein, si jamais vous avez des problèmes, en commentaire, vous mettez « moi j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, comment on fait comme ça ?» Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Très bien, donc, on a Rainbow Mage qui fonctionne. Alors, faut savoir qu'à l'heure où je fais ce tutoriel, donc le 18 mars 2015, Rainbow Mage est en version 0.3.1, je crois. Et il est possible que dans de futures mises à jour, il y ait des trucs qui changent. Si c'est le cas, je ferai des annotations sur la vidéo. Ou s'il y a vraiment beaucoup de trucs qui changent, je ferai une autre vidéo. Donc, fin de la deuxième partie. On a Rainbow Mage qui fonctionne, on a une jolie fenêtre, c'est cool. Maintenant, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens encore plus ouf qui se sont dit « Eh, mais pourquoi je ferais pas un plugin pour le plugin ?» Je sais ce que vous vous dites, ça fait un peu pluginception, bah c'est tout à fait ça. Il y a des personnes qui se sont dit « Ouais, ok, Rainbow Mage c'est bien, c'est joli, tout ça, machin, mais pourquoi je me ferais pas mon propre truc qui me servirait à moi ?» Et puis quand ils ont vu que ça tournait pas mal, ils ont dit « Eh, mais pourquoi je le partagerais pas avec les autres ?» Du coup, ça nous amène à un autre type de fenêtre qu'on va rajouter tout de suite. C'est une fenêtre pour avoir l'aggro. Alors, vous allez me dire, oui, mais dans FF14, il y a déjà des trucs pour indiquer l'aggro, tout ça. Je suis d'accord. Maintenant, c'est des trucs qui sont pas forcément très précis, ou pas forcément très faciles à voir. Et moi, je préfère utiliser la fenêtre du plugin. Je trouve ça plus clair et plus précis. Donc, on va la rajouter tout de suite. Donc, nouvelle fenêtre. On va l'appeler aggro plat de type enmity. Donc, enmity, c'est le type de fenêtre pour
l'aggro. Hein. Si vous le laissez par défaut sur mini pass, ça va vous faire une deuxième fenêtre comme celle qui est en haut à droite. C'est pas ce qu'on veut. Enmity, hop là. Là, vous pouvez voir que la fenêtre s'est rajoutée ici. On va directement là-dedans. Donc c'est bien affiché. Ça, on le cochera tout à l'heure. Le fichier, c'est le bon. Ça, ok. Voilà, donc je vais le déplacer. Je vais régler la taille. Là, et je vais le déplacer par là. Toc. Je clique là-dessus pour plus pouvoir le modifier et normalement, voilà, ça fonctionne. Donc on va tester tout de suite. Paf. Hop là, donc il y a bien le DPS qui change en haut, il y a bien l'aggro qui s'affiche en bas, tout va bien, c'est génial. Voilà, ça fonctionne, ça se fait en 10 secondes. C'est pour ça que j'adore ce logiciel. Donc vous pouvez le voir, hein, ça vous affiche la cible, ça affiche les PV, etc. Ça affiche aussi la distance qui peut être pratique dans certains combats. Du coup, bah, c'est la fin de la troisième partie. Donc, qui a été juste pour ajouter cette petite fenêtre, cette fenêtre d'aggro. Je pense que d'ailleurs, je vais la déplacer, je vais la mettre ailleurs. Mais bon, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Dernier petit point, faut savoir que l'ajout de plugins comme ça, c'est assez récent. Rainbow Mage, ça doit faire, je sais pas, un peu plus d'un mois que ça existe, ou peut-être 2 mois. L'autre pour l'aggro, ça fait même pas 5 jours, je crois. Du coup, comme c'est assez récent, faut savoir qu'il y a des gens qui bossent dessus, sur des trucs, qui sont pas encore dispo. Notamment, je vais vous montrer ça tout de suite, je suis tombé là-dessus ce matin. Donc vous voyez, hein, c'est des fenêtres qui restent par-dessus toutes les autres. Ça peut être un peu gênant, mais on s'y fait. Moi perso, ça me pose pas de problème. Donc, on a quelqu'un qui a publié un plugin ce matin qui, au lieu de donner cette fenêtre en haut à droite comme ça, donne une fenêtre avec des barres pour le DPS comme ça. Personnellement, enfin, la fenêtre comme ça de Rainbow Mage me suffit largement. Maintenant, si vous préférez cette fenêtre, sachez que ça existe. J'ai entendu qu'il y avait 2-3 personnes qui bossaient sur d'autres trucs, mais ils veulent pas donner de détails parce que comme c'est des trucs qui sont pas encore dispo, ben, ils veulent pas se faire piquer l'idée. Mais c'est juste pour dire que ben du coup, cherchez dans les jours à venir pour voir s'il y aurait pas d'autres trucs qui puissent vous intéresser. Je sais qu'il y a déjà 2-3 plugins qui sont sortis, donc moi je m'en sers pas, mais je vais quand même en parler parce que ça existe. Par exemple, il y a un plugin pour tous les joueurs de classe magique qui indique, en fait c'est une petite barre qui se met quelque part sur votre écran. Et en fait, à chaque fois que la barre se remplit, ça indique un tick de régène de mana. C'est-à-dire, par exemple, vous avez toute votre mana, vous lancez un sort, et la barre, elle va, à partir du moment où vous avez perdu la mana, la barre, elle va se remplir, et quand elle va arriver au bout, ça veut dire paf, vous avez eu de la régène de mana. Ça peut être pratique, par exemple, pour les paladins qui flashent tout le temps, ou des trucs comme ça. Moi, perso, j'en vois pas l'utilité. Il y a un autre truc qui s'appelle le spell timer. Personnellement, j'en vois pas l'utilité non plus parce que je veux dire, enfin, le temps de recharge sur les cases des actions, c'est assez lisible, donc moi ça me pose pas de problème. Mais c'est une fenêtre qui se rajoute
Et en fait, il va y avoir, quand vous utilisez une technique, par exemple, là, moi, si j'utilise aguet, paf, dans la fenêtre, j'aurai un truc marqué aguet, avec un compte à rebours à côté, qui indique le temps de recharge du truc. Ça peut être pratique, par exemple, pour des DPS qui veulent utiliser leur buff de dégâts dès que c'est dispo, ou des trucs comme ça. Moi, encore une fois, ça ne sert à rien, donc je le mets pas. Mais voilà, c'est juste pour savoir que ça existe. Là, comme ça, de tête, c'est à peu près tout ce dont je suis au courant. Mais comme je le disais, il y a encore un truc qui est sorti ce matin. Donc, faut faire attention. Voilà, du coup, c'était un petit... Enfin, pas si petit que ça, mais c'était un tutoriel pour installer un Kikimeter pour FF14. Si vous avez des questions, des problèmes, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, partagez, likez, mettez sur les réseaux sociaux, tout ça. Si vous avez des remarques, n'importe quoi, pareil, commentaire. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Je sais pas la prochaine vidéo sur quoi elle sera, mais on va essayer d'en faire une avec Asaka très rapidement. Peut-être concernant Heavensward ou le prochain patch, on ne sait pas trop, on va voir. Sur ce, je vous dis à plus, bonne journée à tous et à la prochaine.